Bonjour à tous, c'est Kevin Roche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième évolution de mon petit pedalboard pour jouer en direct sono avec guitare acoustique et guitare électrique. Donc j'ai fait deux premières vidéos avant celle-ci. La première était sur le fait de mettre en évidence que l'on pouvait chaîner deux fly-rigs de chez Tech21, l'un pour guitare électrique et l'autre pour guitare acoustique. Et la deuxième vidéo était l'évolution de cette première version sur laquelle j'avais rajouté quelques pédales d'effet. Donc là, il se trouve que ça va être la troisième version donc de l'évolution de cette configuration-là, config avec laquelle je joue essentiellement avec deux formations, l'une en duo avec un chanteur, donc lorsqu'on joue en guitare-voix, guitare acoustique et chant, et également avec des séquences et guitare électrique sur des parties un petit peu plus dansantes, variétés, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait évoluer le truc, avec quels éléments, et vous expliquer le pourquoi du comment, ce qui peut peut-être vous donner tout simplement des idées à vous ensuite par la suite pour vous créer une config ou pour améliorer celle que vous avez déjà. Eh bien écoutez, plutôt que de parler pendant des heures, je vais changer l'axe de la caméra et puis on va regarder tout ça en détail avec du son. Eh bien c'est parti. Donc voilà la première partie du pedalboard qui est sur la droite de celui-ci. Donc la guitare rentre dans la pédale wah-wah, qui est une pédale Dunlop Crybaby, la Mister Crybaby. Mister Crybaby Super même. Et sa référence, c'est EW95V. C'est une pédale que l'on ne trouve plus en neuf, on la trouve qu'en occasion, à des prix pas forcément doux d'ailleurs. Donc c'est une pédale qui fait wah et volume. Alors j'utilise très peu la pédale de volume, mais j'en ai un petit peu besoin pour faire des violonings. Donc là, l'avantage, c'est que lorsqu'elle n'est pas enclenchée. Voilà. Donc je peux faire mes effets de violoning, et lorsque j'enclenche la wah-wah, j'ai mon effet de wah-wah traditionnel. Il y a un boost qui est intégré dont je ne me sers absolument pas, mais ça peut être utile. Et voilà, donc cette pédale-là est bien. J'en ai même deux. J'en ai une sur cette config et une autre sur l'autre config que j'ai avec le rack, la tête Bogner, etc. Cette pédale, j'en suis ravi et très content. Donc nous rentrons ensuite dans le boîtier qui est en dessous ici, qui est le TWLS de la marque française DESS. J'ai fait une vidéo de démo sur cette pédale-là, je vous encourage et vous invite à la regarder parce que c'est un produit très intéressant. C'est en fait une AB Box qui est améliorée. Alors moi je l'utilise en guise d'AB Box, elle peut faire au looper aussi. Donc regardez la vidéo encore une fois, vous comprendrez tout. Là en tout cas, moi je l'utilise de la façon suivante. Donc c'est-à-dire qu'en A, lumière verte allumée, je suis sur mon chaînage de guitare acoustique. En B, je suis sur mon chaînage de guitare électrique. Et donc, que je sois sur A ou B, il y a une troisième sortie qui me balance mon signal sur l'accordeur qui est au-dessus, qui est le Peterson Stroboscope HD. Et l'avantage, c'est que si je fais un appui long, que je sois en A ou en B, j'ai la lumière au-dessus qui se met en rouge, ce qui veut dire que je suis muté et donc que je peux m'accorder en silence. Voilà, donc ça c'est très très pratique. Donc, que je sois en B ou en A, je mute en appui long. Hop, ça s'allume en rouge, je peux m'accorder en silence, je remets. Et ça me permet donc de balancer mon signal soit sur le chaînage acoustique, soit chaînage électrique, avec toujours mon accordeur en always on. Donc concernant ma guitare électrique, donc je rentre dans le in de la wah-wah, ensuite je rentre dans le in du TWLS, et ensuite je vais donc du côté de la sortie A vers l'overdrive qui est ici en blanc, en haut, qui est le modèle Dolmen FX Jan Ray. Donc c'est on est dans l'esprit d'une Zen Drive un petit peu, ce genre d'overdrive là. Selon les réglages que l'on fait, il y a plusieurs types de sons. Là je vais pas vous faire la démo de la pédale, simplement vous montrer ce qu'on peut en faire. Voilà, donc là si je la joue sur le son, si j'enclenche la pédale, bon, allez, donc là elle est réglée comme telle que je la joue. Crunch un petit peu léger avec le micro double. On arrive sur des trucs un peu plus couillus, mais là je l'utilise surtout avec des. Dans cet esprit-là, ou après en boost, du son saturé. Je vais vous montrer ça après. Justement, on en vient. Je sors donc de l'overdrive de cette Gen Ray et je rentre ensuite dans le Flyrig 5 qui est en dessous ici. Donc qui est le modèle première génération de Tech21 Flyrig, où nous avons donc la partie sans amp, qui est une partie son clair dans l'esprit de un petit peu d'un Fender Bassman, ce genre de choses-là.
Voilà, moi je le règle. Je joue pas mal funk, ce genre de choses-là, donc ça marche bien. Ça marche, ça me va très bien. Ensuite, on a un canal saturé ici, dans l'esprit Marshall. La possibilité d'avoir un boost ici. Et donc si je booste avec la Jeanne Ray, ça va tout simplement me permettre d'avoir un peu plus de gaz sous les doigts et c'est très très agréable. Ici on a un délai avec Tap Tempo. Et donc là, le M5, je l'utilise de deux façons. Soit je l'ai avec un égaliseur ici pour pouvoir passer en son lead. Donc c'est redoutablement efficace. Là, dans ce cas-là, lorsque je suis avec l'égaliseur, de façon sous-jacente, on peut caler un nose gate, si on le souhaite, qui est un effet qui se rajoute à celui que l'on programme sur le M5, puisque là le M5 on peut utiliser qu'un effet à la fois. Mais du coup, lorsque j'utilise l'égaliseur, je rajoute un petit nose gate de façon à enlever un peu le surplus de souffle, notamment surtout lorsque j'utilise l'overdrive du fly rig plus la dolmen effect, ça fait beaucoup, et donc ça me permet de tout simplement limiter le souffle. Et ensuite, j'utilise également le M5 avec un phasing, donc surtout sur les sons clairs. Et l'avantage, c'est qu'il y a un tap tempo. Et ensuite, en sortant du M5, je rentre dans le Two Notes Torpedo Cab M+, que j'utilise exclusivement en simulateur de HP. Donc il y a déjà une simulation de HP qui est intégrée dans le Fly Rig, mais il se trouve que en le combinant avec le Torpedo Cab M, ça marche super bien, j'aime beaucoup la différence. Je vais pas non plus faire une démo de ce que ça donne avec et sans. En tout cas, là je vous montre ce que ça donne avec, et avec ça marche très très bien, voilà. Ce qui me permet d'avoir la sortie XLR, voilà ici. Donc j'ai ma sortie XLR en bleu pour attaquer ma console de mixage. Donc d'ailleurs mes trois câbles XLR ici sont dans la gaine. J'ai fait une vidéo aussi qui vous explique comment mettre les câbles dans une gaine. Donc là j'ai mon câble bleu qui correspond à la sortie de la guitare électrique, câble rouge qui correspond à la sortie de la guitare acoustique, et le câble blanc c'est pour mon micro champ. Donc c'est-à-dire que j'ai mon pied de micro qui est à côté de mon pedalboard. Je mets un câble pas trop long du micro jusqu'à ce câble blanc, et ensuite donc j'ai tout qui traverse dans la gaine qui est là, qui se balade, voilà. Et l'avantage, c'est que c'est très pratique à mettre en œuvre. Je suis installé en 5 minutes, j'ai finalement un seul faisceau de câbles à brancher au lieu de trois câbles séparés, donc c'est très pratique. Voilà donc tout ce que je peux vous expliquer sur le chaînage de la guitare électrique. Donc c'est quelque chose qui finalement fonctionne très bien. Donc en termes d'évolution, au préalable, en lieu et place du M5, j'avais deux pédales Boss, une d'égaliseur, une de phasing. Et en fait, j'ai préféré mettre le M5. Je connais déjà très très bien les effets de ce Line 6, puisque je joue sur un Line 6 M13 avec ma grosse config, avec la tête d'ampli, etc. Donc j'ai préféré revenir à ça, parce que j'adore le phasing qu'il y a là. Le fait d'avoir un tap tempo, c'est super pratique. Le fait d'avoir le nose gate en sous-jacent comme ça, pouvoir le caler avec l'égaliseur, c'est extrêmement pratique, parce que ça m'évite d'avoir une pédale de nose gate en plus. Surtout que ça, je le règle pas fort du tout, et ça fonctionne très bien à cette utilisation-là. Et l'égaliseur, le fait qu'il soit programmé, le défaut en fait du GE7, c'est qu'il faut constamment, dans le transport, ça bouge toujours un petit peu, il faut recaler les petits curseurs, et c'est assez sensible, et on y passe un peu de temps. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de recaler quoi que ce soit, c'est programmé, on n'en parle plus.
Voilà, donc ça c'était le chaînage pour guitare électrique. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne avec la guitare acoustique pour que vous puissiez vous faire une idée globale de la config. Eh bien, je change de guitare et puis je vous dis à tout de suite. Donc, en ce qui concerne la guitare acoustique, alors c'est très simple, je sors du TWLS, donc je reviens dessus du boîtier blanc ici. Donc là, j'ai ma guitare qui rentre là, je sors du côté A. Donc dans la chaîne de guitare électrique que je viens de vous présenter, du côté B, je rentre directement dans ce préamp pour guitare acoustique qui est le Valetone Dapper acoustique. Et ensuite, je sors via la sortie XLR la rouge en direction de ma table de mixage. Alors là, c'est un préamp donc avec un volume, une égalisation 3 bandes, un notch qui évite les larsen et une reverb. Il y a aussi un compresseur que je n'utilise pas. Donc c'est vraiment le truc super simple. Sur ma config initiale, j'avais le Flyrig acoustique de Tech21. J'ai eu l'occasion d'essayer celui-ci et j'ai préféré. Alors qu'on est sur un prix bien plus bas, sur une conception qui, ma foi, en tout cas, me paraît tout aussi bien en termes de solidité et en termes de son, je préfère. On a quelque chose de vraiment super. Je vous montre ce que ça donne rapidement avec quelques accords. Voilà, donc ça marche super bien. L'avantage, donc toujours pareil, c'est que j'ai mon accordeur qui est qui fonctionne derrière en Always On. Et si je mute ici, je peux m'accorder en silence également, en tout cas pour celui qui écoute la sonorisation. Voilà, donc un système qui fonctionne très très bien, une config assez simple finalement, hein, il n'y a rien de transcendant, hein. On est sur quelque chose de simple, mais qui fonctionne bien, qui est facile à mettre en œuvre, et donc tout ça est alimenté par une alim Visual Sound CS6, qui est planquée dessous, et voilà, donc tout simplement quelque chose, comme je vous dis, qui me permet d'être polyvalent, de jouer dans plein de styles différents avec pas grand-chose. Évidemment, j'ai le multi-effet M5, si un jour j'ai besoin d'autres effets particuliers, bon, ben, j'ai ça sous la main. Alors le seul défaut, c'est qu'il est placé après le préamp, donc selon les effets que je veux utiliser, bon, ben, si je veux utiliser un délai spécifique, ça marchera bien. Là, déjà pour le phasing, bon, le phasing, il est placé du coup en post-préamp, j'aurais préféré l'avoir avant, mais bon, c'est pas grave, je me débrouille comme ça et ça marche très très bien. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous donnera peut-être des idées pour améliorer ou créer votre configuration. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça me fera plaisir. Et puis évidemment, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ce qui m'encouragera tout simplement à continuer à vous fournir du contenu gratuit. Je vous en remercie encore par avance et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye!